ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Deux dossiers vendus contre les intérêts de la France. Mais c'est faux, je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à General Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut... C'est top secret, et ce décret Alstom, c'est une arme de dissuasion, parce que l'État, à ce moment-là, a la possibilité d'empêcher l'acquisition d'Alstom par GE. Seulement, Arnaud Montebourg n'est pas seul dans ce dossier. Face à lui, il y a le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le secrétaire général adjoint de l'époque est Emmanuel Macron. C'est lui, il ne veut pas utiliser ce décret comme une menace. Emmanuel Macron se déclare favorable à un rachat sans condition de Alstom par GE. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom qu'il présente comme une alliance industrielle. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Alstom Energy au profit de General Electric. Je n'ai pas peur de le dire,